Le tribunal spécial africain a enfin rendu son verdict. Hissène Habré, l'ancien président tchadien, a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, viol, esclavage et enlèvement. Il passera le restant de ses jours en prison. Hissène Habré a dirigé le Tchad entre 82 et 90, avant d'être renversé par l'un de ses anciens collaborateurs, l'actuel président Idriss Déby, et de se réfugier au Sénégal. La répression politique de son régime, à base de détentions arbitraires et de tortures, aurait fait 40 000 morts. Pour l'ONG Human Rights Watch, ce procès est un précédent extraordinaire qui montre que des tribunaux africains peuvent juger des crimes commis en Afrique.